jeu. Des trucs ronds, circulaires, sphériques, il y en a plein, hein, des billes, des balles, des boules, des bulles. Les formes circulaires et sphériques apparaissent spontanément dans la nature et y jouent un rôle central. Un exemple phare et canonique, c'est la Terre. Hein. Big up à tous ceux qui pensaient encore que la Terre était plate, hashtag Galilée, hashtag Aristote, hashtag Bogdanov. Et oui, Jamie, car la Terre n'a pas la forme d'une assiette, mais bien celle d'une orange. Bon, en fait, elle n'est pas rigoureusement sphérique parce qu'elle est un peu aplatie au pôle, mais ça reste relativement négligeable. Et la Terre n'est pas un cas isolé, hein. Toutes les planètes du système solaire, et le Soleil lui-même d'ailleurs, ont des formes sphériques. Pourtant, quand on y réfléchit, ces planètes sont rien de moins que des agglomérats de poussières d'étoiles et de débris divers et variés qui, au fil des milliards d'années, ont trouvé une certaine stabilité en adoptant une forme de boule. Si ce genre de forme apparaît naturellement ici, c'est en fait pour des raisons de symétrie. La force gravitationnelle exercée par une masse ponctuelle est attractive, et en un point donné, elle est proportionnelle à l'inverse du carré de la distance qui sépare le point à la dite masse. Dans l'espace, elle est donc naturellement à symétrie sphérique. Sans rentrer trop dans les détails parce que c'est pas mon domaine, à la surface d'un objet, on peut considérer que tous les points subissent l'attraction gravitationnelle comme si toute la masse était rassemblée au centre de gravité de l'objet. Deux forces entrent alors en compétition, la gravitation et la résistance du matériau à la déformation. Si le corps n'est pas suffisamment massique, la résistance prend le pas sur la gravité. C'est pour ça que tous les cailloux sont pas sphériques, c'est pour ça simplement qu'il existe des objets qui ne soient pas des boules, hein, encore heureux. En revanche, si le corps est suffisamment massique, genre la Terre, la gravité l'emporte sur la résistance et impose sa symétrie, qui fait que l'objet n'arrêtera de se déformer que lorsqu'il aura adopté la forme finale d'une boule. Mais là, j'ai quand même simplifié les choses en imaginant des objets parfaitement immobiles. Lorsque l'objet est en rotation sur lui-même, comme c'est le cas de la Terre, hein, big up à tous ceux qui pensaient que le Soleil tournait autour de la Terre, hashtag Copernic, hashtag... Quand l'objet est en rotation, à cause des pseudo-forces supplémentaires que ça induit, il existe des formes qui restent stables sans pour autant être sphériques. En 1741, l'écossais Maclaurin montre que des ellipsoïdes de révolution, c'est-à-dire des sphères un peu étirées quoi, sont solution du problème, ce qui explique pourquoi la Terre a tout à fait le droit de ne pas être parfaitement sphérique. Mais il y a des résultats un peu plus intrigants. Hein. Poincaré a par exemple exhibé une famille de formes solution de ce problème qu'on appelle pyriformes, parce qu'elles ont une forme de poire. Ouais. Ça veut dire qu'en théorie, on pourrait parcourir le ciel avec un télescope et... Mais je me suis déjà pas mal éloigné du thème principal de cette vidéo, donc revenons sur le cercle. On comprend que si les ronds apparaissent naturellement autour de nous, c'est grâce à leur symétrie centrale parfaite, à leur forme unique, à leur courbe si subtile et gracieuse. Précisément, le disque, de par sa symétrie, répond au problème dit d'isopérimétrie. C'est un gros mot inventé, comme souvent en maths, par nos amis de la Grèce antique, hein, bon gros amateurs de géométrie. Pythagore, Thalès, Pappus. Il est moins connu, mais j'aime bien son nom. Pappus. Pappus, allez viens là. Oui, Mobo. Oui. Non, ne saute pas. Isopérimétrie, le mot paraît injurieux, mais l'idée est simple. On cherche les figures géométriques du plan qui, à périmètre fixé, maximisent leur aire. L'idée, c'est qu'un fermier a une bobine de fil barbelé de longueur limitée, et il essaye d'en faire un contour fermé d'air la plus grande possible, de sorte à pouvoir rentrer un maximum de moutons à l'intérieur. Bon, ça ressemble vachement à l'énoncé d'un problème de maths de 6ème, mais historiquement, c'est un peu comme ça que les Grecs ont introduit le problème. La Minute Anecdote vous est présentée par notre partenaire, Wikipédia. La légende raconte que la ville de Carthage fut fondée en 814 avant Jésus-Christ par la princesse phénicienne Elissa, surnommée Didon. Elle demanda au roi de Numidie Iarbas l'octroi d'un terrain pour s'y installer. Iarbas, réticent, lui accorda le droit de choisir un lopin de terre que pourrait contenir la peau d'un bœuf. La rusée Didon découpa en une fine lamelle la peau qui devint une longue lanière de 4 km de long. Elle est rusée, Didon. Elle fit étendre cette lanière sur un demi-cercle dont les deux extrémités touchaient la côte, rectiligne à l'endroit où elle se trouvait. Elle avait intuitivement trouvé la solution au problème isopérimétrique dans un demi-plan euclidien. Bon, alors dans cette histoire, le cadre est un peu plus compliqué parce que, en plus de son astuce de découpage, Didon utilise un bout de la côte pour finir de délimiter son terrain. C'est pas très fair-play, Didon. C'est un peu comme si le berger se servait d'un bout de fil de fer déjà utilisé par un autre berger pour finir son terrain.
C'est de la triche, c'est pas beau ça. Nous, on va donc supposer que le berger il est tout seul sur un plan avec ses moutons et rien autour de lui, et il doit tracer le contour d'un terrain d'air maximal avec sa longueur donnée de fil barbelé. Intuitivement, on sent bien que la forme idéale va être un cercle, hein, et la métaphore du mec qui bourre un maximum de moutons à l'intérieur de son terrain est pas complètement idiote d'ailleurs. Si je noue les deux morceaux de fil de sorte à avoir un contour mou et que j'essaie de caser un maximum de trucs à l'intérieur, on voit bien que la forme que j'obtiens au final va être proche d'un cercle. Mais ce que j'aime bien avec ce problème d'isopérimétrie, c'est qu'il fait partie de cette classe de problèmes dont l'énoncé est simple comme bonjour et compréhensible par tous, dont la solution est très intuitive et évidente pour tout le monde, et qui pourtant se révèle scandaleusement difficile à résoudre rigoureusement mathématiquement. Les Grecs, avec leur peu de moyens et d'outils mathématiques, bon attention, ils ont posé des super bases, hein, mais ils avaient pas de quoi s'attaquer rigoureusement à ce genre de résultats. On a donc des résultats partiels où on s'intéresse à des terrains à contours polygonaux, mais il faudra vraiment attendre le 19e siècle, avec notamment Karl Weierstrass, pour que se précise la notion de courbe et de contour, et que les nouveaux outils produits par l'analyse variationnelle permettent d'établir que le cercle est bien l'unique courbe maximisant l'air à périmètre donné. Au final, on démontre l'inégalité isopérimétrique valable pour toute figure géométrique plane, avec égalité si et seulement si la figure est un cercle. Bien sûr, ce résultat se généralise en dimension supérieure, c'est-à-dire en passant du plan à l'espace. Si la surface d'une bulle de savon adopte d'elle-même une forme sphérique, c'est parce que la sphère correspond à un problème d'optimisation. La sphère englobe un volume d'air donné, celui qu'on souffle à l'intérieur en fait, avec une surface minimale, ce qui revient au même problème que de maximiser le volume contenu avec une surface donnée. C'est bien l'équivalent tridimensionnel du berger qui bourre ses moutons, qui pousse ses moutons dans son terrain. Non seulement le cercle tient une place centrale dans la nature, mais il est aussi au cœur de nos sociétés humaines. Et pour preuve, j'en viens à l'une des inventions les plus révolutionnaires, littéralement, de l'histoire de l'humanité, la roue. Et oui, ça peut paraître anodin, mais la roue, c'est quand même un moyen super ingénieux d'utiliser la symétrie du cercle pour transférer une force. Ça a commencé comme ça, et puis au fil des années, ça a donné ça, et ça, et ça, et... qu'est-ce que c'est que ça? La plus ancienne roue montée sur un axe qu'on ait pu dater correctement date grosso modo de 3000 avant Jésus-Christ. Wikipédia. C'est difficile en fait de savoir précisément à quand remonte la construction de la première roue. En tout cas, tout porte à croire que très tôt dans l'histoire, des mathématiciens en herbe étaient déjà convaincus qu'il existait un rapport constant entre le diamètre d'un cercle et sa circonférence. Il faut dire que le constat est assez facile à faire, hein. Si on fait faire un tour complet à une roue et qu'on mesure le tracé laissé dans la Terre, on voit bien sûr que plus la roue utilisée est grande, plus cette longueur l'est aussi, mais si on fait précisément l'expérience avec différentes tailles de roues, on intuite facilement que la circonférence d'une roue est simplement proportionnelle à son diamètre. Ce coefficient de proportionnalité n'est autre que le célèbre pi, hein, on ne le présente plus, c'est certainement la constante mathématique la plus célèbre. Pi vaut environ 3,14159265359732383846264338, et je pourrais continuer longtemps comme ça puisque son développement décimal ne s'arrête pas et n'admet aucune périodicité. Normal en fait, hein, puisque pi est un nombre irrationnel, c'est-à-dire qu'il ne peut pas s'écrire comme fraction de deux nombres entiers, exactement comme racine de 2. Mais pour pi, c'est quand même pire que ça, puisqu'il appartient à cette classe de nombres dits transcendants, c'est-à-dire qu'il n'est pas solution d'une équation polynomiale à coefficient entier, comme c'est le cas de racine de 2 par exemple, qui est solution de x carré moins 2 égale 0, mais tout ça nous entraîne déjà beaucoup trop loin. Il y a tellement de propriétés intéressantes et de formules loufoques qui mettent en jeu pi que ça pourrait être une vidéo à part entière, c'est bien la preuve que le cercle est d'une richesse mathématique assez incroyable. Mais en fait, depuis le début de cette vidéo, je parle de cercle sans avoir vraiment défini ce qu'était un cercle, c'est un manque de professionnalisme assez flagrant, donc je vais essayer de me rattraper dans les minutes qu'il nous reste. La donnée d'un cercle, comme tout le monde s'en doute, c'est la donnée d'un point, le centre, et la donnée d'un nombre strictement positif, le rayon. On va se placer dans un plan d'origine O, et on va essayer de décrire le cercle de rayon 1. On l'appelle communément le cercle unité. Dans ce plan, dit euclidien, j'ai deux axes perpendiculaires, l'axe des abscisses, qui est horizontal, et l'axe des ordonnées, qui est vertical. Comme à la bataille navale, un point M du plan est caractérisé par ses coordonnées le long de chacun de ses axes, on les note X et Y. Le fait que M appartienne au cercle signifie simplement que sa distance à l'origine O vaut 1. Or, par définition, cette distance-là vaut X et celle-ci vaut Y, et on a là un joli petit triangle rectangle. Maintenant, je vais vous demander de vous allonger sur le canapé le plus proche, de fermer les yeux et de vous plonger dans les souvenirs refoulés de votre tendre enfance. En 6ème B, au collège de Chandonnier-les-Bains, entre deux lancers de boulettes de papier, vous avez certainement entrevu un résultat connu sous le nom de théorème de Pythagore. Dans un triangle rectangle, si ce côté-là est de longueur x, celui-là de longueur y, alors si on note z, la longueur du plus grand côté, l'hypoténuse, on a la relation z au carré égale x au carré plus y au carré. Dans notre cas, pour que m appartienne au cercle, on veut que cette longueur vaille 1, d'où finalement l'équation cartésienne du cercle unité, x au carré plus y au carré égale 1. Rigoureusement, dans un plan euclidien, on définit un cercle comme l'ensemble des points m qui satisfont l'équation x carré plus y carré égale 1.
Ce qu'on appelle le disque, c'est tous les points à l'intérieur de ce cercle. Eux satisfont l'inégalité x carré plus y carré inférieur ou égal à 1. Bon, si je m'arrête sur ces points un peu techniques de définition, c'est parce qu'ils permettent une espèce de généralisation du cercle. Parce que oui, depuis le début, j'ai un peu tendance à mélanger les termes de cercle et de sphère en parlant juste de trucs ronds. On voit bien que la sphère est à l'espace ce que le cercle est au plan, et de fait, il est possible de parler de sphère en n'importe quelle dimension. Dans mon plan, mon cercle unité était d'équation x carré plus y carré égale 1. Maintenant, je passe du plan à l'espace. Je n'ai plus deux directions, mais 3, l'axe horizontal des x, l'axe vertical des y, et l'axe des z qui correspond à la profondeur. Une manière naturelle de généraliser l'équation de mon cercle avec 3 variables est de dire que la sphère unité, celle de rayon 1, est définie par x carré plus y carré plus z carré égale 1. La boule unité, c'est tout ce qui est à l'intérieur de cette sphère caractérisée par l'inégalité x carré plus y carré plus z carré inférieur ou égal à 1. Et finalement, pourquoi s'arrêter là ? Bien sûr, dans notre monde physique, avec nos sens réduits de créatures imparfaites, on ne perçoit que 3 dimensions spatiales, ce qui fait qu'on ne voit que des cercles ou des sphères. Mais mathématiquement, rien n'empêche de considérer des espaces, ou plutôt des hyper-espaces, de dimensions supérieures à 3. On met hyper devant le mot espace pour signifier qu'il s'agit justement pas de l'espace à 3 dimensions qu'on côtoie, mais d'une généralisation en dimensions supérieures. Et puis parce que ça claque aussi. En fait, il suffit d'imaginer qu'on peut rajouter des axes indépendants des autres, comme on le fait pour passer de la dimension 2 à la dimension 3. Dans un hyperespace de dimension d, d étant un entier plus grand que 1, en notant x1, x2, x3, etc. jusqu'à xd, les variables correspondant aux coordonnées sur chacun des axes, on définit alors naturellement l'hypersphère unité de dimension d par l'équation x1 au carré plus x2 au carré plus etc. plus xd au carré égale 1. L'hyperboule unité, elle, est donnée par l'inéquation correspondante. Évidemment, ça demande un certain effort d'abstraction et d'imagination parce qu'il est impossible de se représenter géométriquement un espace de dimension plus grande que 3. Mais je vous demande juste encore un tout petit effort parce que ce que je m'apprête à vous dire va vous faire délirer. Moi, en tout cas, ça me fait délirer. Admettons qu'on dispose de ces hyperboules qui sont finalement rien de plus que des généralisations du disque en dimension quelconque. Il est tout à fait possible de calculer leur volume, ou plutôt leur hypervolume. Je m'explique. L'aire d'un disque de rayon R est donnée par la formule pi r carré, donc dans le cas du cercle unité où r vaut 1, on a donc une aire de pi. Le volume d'une boule de rayon R est donné par 4 tiers de pi r cube. Cette formule est moins connue en général. Donc dans le cas de la boule unité, on obtient 4 tiers de pi, ce qui est au passage plus grand que pi. On peut continuer comme ça en calculant les hypervolumes des hyperboules en dimension supérieure. A votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le volume va continuer d'augmenter à mesure que la dimension augmente? Est-ce que plus la dimension est grande, plus on peut mettre d'hypermoutons dans une hyperboule? Restez proche du canapé, hein, vous aurez peut-être besoin d'un moment pour réfléchir à la vie après ça. Le volume de l'hyperboule continue d'augmenter jusqu'à la dimension 5, et ensuite il diminue. Et quand la dimension augmente, il diminue, il diminue, il diminue, jusqu'à tendre vers 0. En très grande dimension, le volume de l'hyperboule devient infime. Et le volume est donc maximal en dimension 5, où il vaut 8/15 de pi carré. Pourquoi la dimension 5 plutôt qu'une autre ? Y a pas vraiment d'explication à fournir à ce résultat plutôt exotique, c'est les calculs qui parlent. Et finalement, c'est ça qui est assez magique, quand les calculs mettent en défaut l'intuition. Si on peut encore parler d'intuition dans le cadre des hypersphères en dimension quelconque. Voilà, on se laisse sur ça, y'a de quoi philosopher pendant un bon moment là. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le sujet du cercle. J'espère que ça aura été instructif ou en tout cas divertissant. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser un petit pouce bleu ou encore à vous abonner en cliquant sur cette patate. C'est la toute première vidéo de maths que je fais sur cette chaîne, donc il faut sans doute encore que je prenne mes marques et que je situe où placer la barre en termes de niveau de maths. Si vous avez des idées, des suggestions ou des critiques, faites-m'en part dans les commentaires. Sur ce, je vais rejoindre mon peuple qui doit m'attendre avec impatience.